Well, the thing is, I've been really busy. I was just due last month. Not leaving any room for, not much room, I'd say, for vlogging. It started off with Paris. Paris Fashion Week with Lucia and Julia. Signed and said everything. And then, oh, it's recording? Yeah, already is. Turned on the recorder. Okay. In 3 seconds. Can hardly see. Défilé. Je sais pas trop ce que je peux extraire pour vous montrer, il y a toujours la photo Instagram, voilà. Et là ce matin avant de les rejoindre, je suis passé en vitesse à la Fnac ici au Val pour chercher un bouquin dont j'ai besoin qui est trouvable nulle part ailleurs en France. Et maintenant je vais les rejoindre au café. Ah, une cathédrale avec une flèche, ouh. Lovely inn. That's a lovely inner garden. And so yeah, we spent the whole day editing and all. Editing, yes. Most of the day. I bought a book, as you say. And now we're gonna go film with the sun setting down in Paris. So.
So that was the last show, L'École des Beaux-Arts. Yeah. And I would say beautiful. It's our seventh show. Seventh? Seven. Okay. Seven in 2 days, not bad. Yep. Lots of fun. And from there, I also have a lot of GVs, as we call them, so general views of Paris. And I wanted to make this little edit of just nice views, not this common stuff that you could also see yourself, but for yourself, but maybe some moments or stuff that I captured, so you'd have another view on Paris or something slightly different than what you used to moving and so. Back on vlogging, right? Because I think it's been almost 3 weeks without a vlog. J'ai eu quelques tournages sur Mulhouse également, mais là aussi impossibilité de vous le montrer parce que bah, pareil, on était sur une politique de confidentialité très stricte. C'était une usine de moulage, l'usine s'appelle EMI. Injection, mais pareil, là c'est les données des moules. Il y a pas mal de pièces qui sont confidentielles. Hein. Ils font des pièces pour Porsche, ils font des pièces pour je sais plus quelle marque et tout. Ça, c'est on ne doit pas savoir. Et partant de là, eh ben, écoutez, on arrive plus ou moins maintenant à cette semaine. Hein. Je grossis un peu le trait, mais c'est ça. Et aujourd'hui, c'est l'anniversaire à Mans. Et oui, nous sommes le 23 juillet déjà. Là, il est 9h18. On est de nouveau en semaine canicule, il fait très beau, il fait très chaud, c'est une catastrophe. Tant qu'il fait encore frais, je vais polluer gentiment avec ma tuture parce que je rejoins Gauthier au Wacken. On va aller pisciner.
comment tu vas? Ça va? Rafraîchi? Non, elle est sympa cette petite piscine du Bacan. Hein. Eh oui. Elle est choupie. Le matin c'est bien. Pas l'après-midi. Pas l'après-midi? Pas de monde. Mais là c'était bien. Le matin c'est bien. Déjà maison rouge, mais après elle a été démolie pour construire la FNAC. Enfin la maison. Maison rouge, maison rouge. À défaut d'avoir filmé, on a mangé sushi à la Quaedo. C'était bon? Super. Voilà. Très bon. Et donc là on va faire une chose qui est très rare, c'est picoler en famille. En extérieur. Allez. En extérieur quand même. Ouais. Non mais c'est quand même picolé, c'est de l'alcool. Oui. Léger, mais c'est de l'alcool. Bah, très faible dose. Allez, à la vôtre. Plantes, la vie qui passe, tout et tout, tu vois. Bon, j'ai quelques tableaux que je trouvais ça. Là, notamment le tableau qui était dessiné un peu à la main, là. Ouais. C'est un côté reposant, tu vois. Ouais. Quand je dis c'est un peu comme les jeux vidéo, tu vois, c'est un peu bien. Ah ouais. Les trucs sont un peu quand même. Mais c'est fait exprès, hein. Ah ouais. Mais c'est, ça va être durable ici, plutôt. Hein? Vas-y, mets-toi. Tu veux pas une photo de couple? Avec ton cher mari? Avec ton mari René? Devine où on est. Il est exactement 23h29. Ça pourrait être drôle de l'envoyer à Pat, ça. Ouais. Et devine où on est. Devine où on est. Ouais. Mais est-ce que tu crois que c'est le scan? Mais tu sais, je lui ai dit ce soir, je vais pas le faire parce que tu sais que je suis à Strasbourg. Ah bah voilà. Faut que je commence. C'est patchwork. Faut que je me bouge, je vais être plus droit à tout. Hein. Bah, de toute façon, il est déjà minuit une, donc techniquement parlant, c'est plus ton anniversaire, mais... Si, je c'est un argot inch, ça je le sais. Ça je le sais, ça c'est un argot inch. Non, ça c'est... C'est comment faire des sushis en ville aussi. Mal au cœur pour ouais, le papier. Ouais, de toute façon, on va plus le ressortir. C'était la chute qui restait. Et... Oh. T'as juste le couvert. T'as pu le racheter, ça, le machin? Non, il a dû racheter le mug aussi, je parie. Le meuble? Le mug. Oh là là, ça y est, j'aurais plus mal au cœur tous les jours que je revois le couvercle. Oh, c'est magnifique, hein. Ouais. C'est magnifique, hein. Tiens-le, tiens-le. Il est entier, il est entier. Pour tes 55 ans, j'aimerais que tu déchires ce papier. J'aimerais que tu le déchires avec une rage. Ouais. Parlons-en. Honnêtement, t'as son emballé, ah bah, et t'as pas... je ne crois pas si bien dire. T'es pas quand je disais, je suis pas trop... Hein, n'empêche. Ah, ça, c'est bien. Bah oui, je sais, j'ai que des bonnes idées. Ah bah ouais, parce que... Regarde ça avec le... ouais, pour les gamins, quoi. Attends, je vais un petit peu vers là, parce que là, il y avait des trucs vraiment sympas. Chabu-chabu, ouais. C'est leur fondu. Chabu, ah ouais. Parce que chabu-chabu, c'est l'onomatopée, je crois, qu'ils utilisent pour quand ça... Ah, ouais. Quand ça ah fait, oui, c'est une onomatopée qui évoque le bruit des lamelles de bœuf que l'on agite au bout des baguettes dans le bouillon. C'est ça, c'est...
Ouais. Sans viande. Quand non, et quand j'ai dit à Gauthier que j'avais acheté ça, il m'a fait ah, ça c'est très bien, ça c'est très bien. Bah oui, j'imagine. La prochaine fois qu'on l'invite, on va lui faire un truc d'ici quoi. Donc là, par exemple, on va passer à des plats au cheddar. Ouais. Et puis c'est bon, ça, hein. Je sais pas c'est quoi ça. C'est un demi-chou blanc. Ah, ça plairait bien à papa. Un demi-chou blanc, une carotte, deux cuillères à soupe, des insectes moelleux. Après, c'est bon, je la mets là, hein, mais... C'est quoi, un petit clavier, quoi. Un petit temps de clavier, ou... Alors... Après, sinon, je la mets là, hein. J'aime à la table, mon frère, mais c'est violent. Sinon, je la mets là. Attends. Ouais. C'est lourd. Franchement, je vais la mettre là, t'embêtes même je pas. Je fais quand même la première prise, c'était coupé. Lourd de fou, c'est... Un espion. On se fatigue, mais... Je la mets dessous, là, mais... T'as une crise ici. Bon, mec, je te 40 ans encore, je craque ça, avec le tournée. Zoom. Zoom, zoom, ouais. La dernière fois, j'étais à la fête du fromage sans. Ils ont resté avec ça. Avec ça. Et alors, ça marchait bien. Ça marchait du tonnerre, de Dieu, du feu, de Dieu. Y'a pas une prise, la fête du fromage blanc. Bien sûr. Ça existe vraiment. Ouais. Elle s'en fout, là, je crois. Parce que maintenant je sais pas si c'est une blague. Est-ce que c'est la fête de Valentin quand il est avec des meufs? Ah, ça peut, boucaquer. Hein. T'as vu derrière dehors le tournage Jacques et Michel? Pour moi, c'est l'accord majeur qui devient mineur, c'est ça qui est intéressant. Non ah ouais. Un truc, Val, tu fais vraiment. Okay. Ouais. Ouais. Deux fois. Ouais. Super ça. Ok, ça roule. Mercredi, il fait chaud comme vous pouvez le deviner, vous n'avez plus de clim. Et aujourd'hui je filme avec Valentin. C'est pas vrai. Hein. Même là c'est payant, on est à la laiterie, c'est payant, vous allez foutre de notre gueule. Donc, je filme avec Valentin et là entre midi et deux j'ai un petit rendez-vous avec nos limites orchestra. On va voir. Du coup il est à la laiterie quand même.
c'est allemand ça. Écoute. Et les frissons me couvrent de partout. Écoute avec le casque, c'est plus précis. Si facilement, je ne okay. sais que j'en aurais le corps. On est là le saut vers l'inconnu. Et l'on sait pourtant, je n'y croyais plus. Alors autant se vogue et fume la vie. Plus peur de vos fossés de compagnie. Vivre mes rêves d'océan. Des routes, des chemins, des montagnes, des rivières. Des doutes contemporains qu'on envoie foutre en l'air. Voyons des jardins laissés à la poussière. Je compte sur mon instinct, je reviens pas en arrière. Grosse semaine de... Ah, et ce petit vent frais. Et c'est vrai que je n'ai pas filmé jusque là, on s'est posé avec Luca, le petit truc qu'on aime bien faire, un petit peu de, un peu de vin, un peu de fromage et le soleil couchant. En fait, un beau moment d'amitié simple. Waouh, ça commence à inonder la maison. Et ça n'aurait pas rendu, on n'aurait pas capturé l'essence du moment, je ne pense pas. Je pense que c'est la littérature qui peut capturer ce genre d'essence. Voilà, exactement. Et là, la mousson, c'est ce que je disais. Et donc effectivement, le Tour de France a été annulé en Haute-Savoie pour cause de grêle. Hein. C'est le même mouvement nuageux qui se répercute. Mais on voit la tête du peloton qui avance. Luca prêt à sortir le shampoing pour cette pole position, pour ce maillot jaune. Orange, que dis-je, maillot orange. Maillot orange. Copie stratégique à gagner. Wow. Oh le déluge! On a eu un petit instant de calme! Oh là! Oh ça devient dangereux! Go back! Ça devient dangereux! Ah ouais, les monstres qu'ils ont tombés! Ah oui, enfin, je mettrai une musique quoi! Non, pour le besoin de la vidéo, je mettrai ce qu'on a enregistré avant avec les oiseaux. Voilà. Nous vivons dans un monde d'impostures. Je me demande si une bonne partie de l'art moderne n'est pas une imposture. Je me demande si une partie de la politique n'est pas une imposture. Je me demande si une partie de l'économie n'est pas une imposture. Ah, justement, ça montre bien la société, tu vois, on a un beau cadre, il y a une fois, quoi. Ah, ouais. Et là, il n'y a presque plus de moteur thermique. Presque. Le truc, c'est qu'ils sont bloqués au niveau du barrage des chaux. Ils sont obligés de faire demi-tour. Oh merde. Ouais, désolé. Mais c'est un complot. C'est un complot. Ça, les photos que tu m'as envoyées. Ici, ouais. So voilà, that's roughly it for June, July, most of it. There will probably be another follow-up vlog next week, just before we leave for vacay, so stay tuned for that. Okay, see you guys!